page 67, la deuxième colonne, passage Yudbet. Vous pouvez télécharger la brochure sur le site. C'est bon, écoutez, la Khantikot, Mlamdim, Tzedaka, la Khadalet, et Saïf, paragraphe Yudbet. ועיקר מעלת הצדקה הוא שזוכים על ידי הצדקה לקשר את עצמו וקוראת לנקודה שיפה ליבו בעת הזאת דייקה. מבחינת אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת דייקה. maintenant le cœur de la grandeur de la tzedaka, c'est pour qu'elle permette de s'attacher à chaque instant au point qui est le point de son cœur d'attachement à Hachem avec son cœur à ce moment-là. Comme il écrit, Ashrei Shomrei Mishpat, heureux ceux qui gardent les lois et qui font de la tzedaka à chaque instant. Bechol et daika. Pourquoi c'est écrit qu'ils font de la tzedaka à chaque instant? Qui tzrichim lasot tzedaka bechol et kedei lekasher atzmo bechol et la nekuda sheyach lelibo be'et hazot daika. Parce qu'il faut faire de la tzedaka à chaque instant pour pouvoir attacher son cœur à chaque fois au point sensible qui va alimenter son cœur en divinité. C'est ça, ceux qui gardent le mishpat, ceux qui gardent les lois. Qui marche mes d'abrim beno le ben kono, chez un deuxième kashrim or un ekuda et la lève. Parce que quand on vient faire une bonne d'autre, on vient parler avec Hachem, que grâce à ça, on attache la lumière de la nekuda avec le cœur, et que chacun il attache son cœur avec la chokhma d'Hachem. Zé prinat mishpat shechofet edan et atzmo mochiach et atzmo le kaim et divrei Torah. Ça c'est quand il se juge et il se fait un jugement sur lui-même et il se reproche à lui-même, il se fait des reproches pour pouvoir accomplir la Torah. Kamovan bedivrei Adonai Morei Vunzal, comme c'est ramené dans les paroles de Rabbeinu de Makom Acher dans la Torah Nun Tet. Alors là, Itbodedut, Rabbeinu l'a appelé de plusieurs noms. Il l'a appelé Yeshuvadat, Kisufim, Sicha Beno le Ben Kono. Mais il l'a appelé aussi Mishpat. C'est-à-dire, dans Itbodedut, il y a le union de se juger, de savoir où on en est. Vagam ki haikar le kasher et asmo la nekuda sheyach le libo ba'et hazot. Bien que maintenant, le haikar dans l'Aïdbo des doutes, c'est de se permettre de s'attacher à Hachem, c'est-à-dire de pouvoir ressentir Hachem dans son cœur, c'est-à-dire de créer, de reconstruire son cœur pour ressentir Hachem. Ça, c'est le but de l'Aïdbo des doutes. Mais pour ça, il faut faire un mishpat, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un jugement. Zeprinat mishpat, ki mishpat ou amouda de mtsaïta. Parce que le mishpat, c'est le hamoud du milieu, c'est-à-dire c'est le pilier du milieu. C'est-à-dire que maintenant, déjà, il met les choses en place. Il ne fait pas avec la Torah il ne fait pas quelque chose de flou. C'est clair pour lui. C'est-à-dire, est-ce que les choses, elles sont comme ça? Est-ce qu'il s'est comporté comme il doit se comporter? Ou il ne s'est pas comporté comme il doit se comporter? C'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas à droite ni à gauche. C'est-à-dire, voilà la vérité, elle est comme ça. רק מקווה לקשר עצמו לנקודה שייך לליבו אז באותו העת דייקה. לבחינת לעשות משפט, עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו. אדיר לוי, sa seule intention, c'est d'arriver à attacher son cœur à Hachem à chaque instant, comme c'est écrit, de faire du משפט, משפט עבדו, le jugement du serviteur d'Hachem, le jugement du Ham Israël, דבר יום ביומו, דבר יום ביומו, chaque jour, avec son jour. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui va faire une prière comme ça, floue et large, avec des notions qui sont très 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 floues dans sa vie, quelqu'un il vient pour prier, il va demander la parnassa, il va demander ça, il va demander l'autre, il va demander des choses. Maintenant, ce sont des notions qui sont très larges. Maintenant, ce qu'il faut, c'est il faut venir devant Hachem avec des choses précises. On ne peut pas venir avec des notions qui sont larges. Il faut venir devant Hachem. Parce que le fait que tu te juges, ça veut dire que tu prends au sérieux le dialogue avec Hachem. Tu n'as pas fait de ça quelque chose de large et quelque chose d'empirique comme ça, quelque chose de virtuel. De dire oui, il faut prier pour la santé, il faut prier pour la parnassa, il faut prier pour les enfants, il faut prier pour la maison.
faut prier des notions larges. Ce n'est pas des notions larges. Quand quelqu'un vient faire le Bouddha doute, il va venir d'abord, il va pointer. Il va venir à dire Hachem, voilà, celui-là, je suis venu parler avec toi. Et voilà, qu'est-ce que ça a été ma journée. Ça, j'étais à l'heure à la synagogue, j'étais à l'heure pour le Limoud, j'ai fait ça, j'ai pu éteindre mon portable pendant le shiur, j'ai pu faire ça, j'ai pu plusieurs choses. Il va venir, il va mettre les choses en place, il va montrer qu'il est sérieux dans son rapport avec Hachem, qu'il prend les choses très au sérieux. Parce que si maintenant quelqu'un ne prend pas au sérieux son rapport avec Hachem, jamais il va trouver la nekouda de son cœur. Comment il va trouver la nekouda de son cœur? Comment il va brancher son cœur sur Hachem si maintenant il utilise des choses qui sont larges et qui sont floues? Comment il va se mettre en contact? Pour se mettre en contact, il faut que tu viennes et que tu amènes des éléments précis. Si tu n'amènes pas des éléments précis, sur quoi on va le baser ce contact-là? Il va être basé sur quoi? C'est-à-dire, si maintenant quelqu'un il rentre dans un tribunal, il dit ouais, celui-là il me doit de l'argent. Il dit ok, alors qu'est-ce que les faits? Quels sont les faits? Il dit non, mais je vous dis, il me doit de l'argent. Il dit monsieur, qu'est-ce qu'il y a eu exactement? Il dit mais demandez-lui, il va vous dire, il me doit de l'argent. Maintenant il faut des choses qui sont un peu précises, c'est-à-dire qu'on peut pas aller, on peut pas venir. Maintenant, si quelqu'un il veut faire de la prière empirique et il veut vivre du judaïsme empirique, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que la personne, elle reste dans le côté flou, large, virtuel, et à côté, elle vit sa vie de goy, comme elle a l'habitude de vivre comme un goy, il continue à vivre sa vie de goy, et jamais il va y avoir de... Il va pas faire de l'auto-tamponneuse, c'est-à-dire que ça risque pas de se tamponner, parce que il a séparé en deux, c'est-à-dire il a dit, il y a ce monde-là, avec cette vie-là, avec les plaisirs de ce monde, etc. Et il y a d'un autre côté le bon Dieu qui est bon, et Baruch Hashem, il nous donne toujours quand on a besoin, il est là avec nous tout le temps, etc. Il y a les deux, et les deux, elles roulent en parallèle, il n'y a aucun problème, c'est-à-dire jamais elles vont se rencontrer. Mais si maintenant, il veut vivre avec attaché à Hashem, il veut rentrer dans Tikkun HaBrit, c'est-à-dire il veut vivre avec une dépendance avec Hashem permanente, alors là, ça va être autre chose complètement. Ce n'est pas du tout les mêmes notions. On passe dans autre chose. C'est-à-dire, si quelqu'un maintenant, il veut venir devant Hachem et il veut zocher de voir Hachem dans sa vie, c'est-à-dire il veut voir Hachem dans son travail, il veut voir Hachem dans ses repas, il veut voir Hachem quand il marche dehors, quand il est dans le bus, quand il est chez lui, partout, il veut voir Hachem. Pour voir Hachem partout, il faut faire des bilans de ce qui se passe dans ces endroits-là, avec lui, s'il veut que maintenant voir Hachem là-bas. Mais si maintenant il ne fait pas de mishpat, il ne vient pas, il n'a pas des comptes rendus précis, il ne peut pas trouver Hachem de façon précise dans sa vie. Il va rester toujours dans le flou, parce que son concept de la Torah, il est flou. C'est ça qu'il dit. Il dit, c'est bien la tzedaka, mais est-ce que tu fais la tzedaka avec du mishpat? Il dit, il amène avant. Il dit, est-ce que maintenant, Ashrei Shomrei Mishpat, Otsetzdaka Bechol Et. Maintenant, heureux celui qui fait du mishpat, c'est-à-dire celui qui se juge. Et maintenant, il fait tzedaka tout le temps. Pourquoi? Pour découvrir Hachem tout le temps dans sa vie. C'est pour ça qu'il fait la tzedaka. Mais si maintenant il ne fait pas le mishpat, sa tzedaka, elle rentre dans le flou, complètement. C'est plus une tzedaka qui est une tzedaka de révélatrice. C'est plus une tzedaka qui va servir à ouvrir les portes de la matière pour trouver Hachem dans ce monde. C'est une tzedaka qui va être comme des bienfaits humanitaires, c'est tout. Mais c'est pas quelque chose qui va lui servir précisément à rentrer en contact avec Hachem dans chaque détail de sa vie. C'est une autre conception de la Torah complètement. Il y a une conception de la Torah qui est le traditionnalisme, c'est-à-dire que voilà, je fais ma prière, je fais ce qu'il y a à faire, etc. Ça, c'est ce que je dois à Hachem, c'est mon devoir par rapport à Hachem, par rapport au judaïsme, etc. Ça, c'est une chose. Et maintenant, à côté, il y a les affaires, il y a l'argent, il y a les trucs, ça, c'est autre chose. Là-dedans, on y va. C'est-à-dire, là, on attaque, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, là, on fait le business, les trucs. À côté, il y a la vie. Ça s'appelle la vie privée. Ça n'a rien à voir avec ça. Il y a la vie religieuse et il y a la vie privée. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses qui sont séparées. Alors maintenant, lui, même si dans la tzedaka, cette tzedaka-là, elle ne risque pas de lui aider à révéler Hachem
dans ce qu'il vit, puisque ce n'est pas ça qu'il cherche, lui, au contraire. Lui, il donne la tzedaka pour pas qu'on l'embête. C'est pour ça qu'il donne la tzedaka. Lui, il donne la tzedaka d'écouter. Moi, j'ai fait mon don à la communauté. Hein. Moi, je ne suis pas redevable. Moi, je viens le samedi, je suis là. Je suis à la synagogue. Il faut pas m'embêter. Moi, je fais ça. Moi, je vous donne une caricature, mais chacun, il n'a qu'à voir où il est. Il va voir que la plupart des gens, ils sont dans ce schéma-là. Parce que si les gens n'étaient pas dans ce schéma-là, ils seraient Betvekut, Bachem, Nifla, Meod, Meod, si on n'était pas avec ce système-là. Mais la plupart des gens, ils ont ça. C'est-à-dire qu'ils utilisent, ils utilisent la Torah comme quelque chose qui est une notion large. Ce n'est pas une notion précise. C'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas Hachem dans quelque chose de concret et de précis de chaque instant. Ils ne pensent pas. Il pense pas que Hachem, il est dans chaque chose de sa vie. C'est pas qu'il dit. Lui, il croit que Hachem, c'est une notion qui est large et que Hachem, il entretient le monde d'une façon comme ça, et naturelle ou autre. Il y a des lois naturelles et tout, qui font que le monde existe comme il existe. Mais c'est pas trouver Hachem à chaque instant de ma vie. C'est pas vivre avec Hachem tout le temps. Si quelqu'un veut vivre avec Hachem tout le temps, il doit commencer à faire de l'ordre, c'est-à-dire dans sa vie, c'est-à-dire à scanner sa journée et à savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire, c'est tout, dans les détails, pas large, dans les détails de sa vie. Comment il fait, comment il se lève, comment il mange, comment il fait les brachot, comment il fait ça, à quelle heure il arrive, quelle heure il part, quelle est sa kavana, quels sont les trucs dans le... Il a parlé avec quelqu'un au téléphone, est-ce qu'il lui a pas rencontré des bobards, est-ce qu'il a pas menti, est-ce qu'il a pas fait ça, est-ce qu'il a pas dit je viens demain, il n'est pas venu, est-ce que... Tout, il faut qu'il se calme. Parce que si maintenant il rentre dans les détails, ça veut dire qu'il est conscient que Hachem, il est dans les détails. Donc à ce moment-là, quand il est dans la tzedaka, il ouvre les détails. C'est-à-dire qu'il va voir la présence d'Hachem dans les détails. Mais si maintenant il reste dans quelque chose de flou, alors ce n'est pas parce qu'il va donner à Tzedaka que Pitom il va trouver une présence d'Hachem dans un détail. Il ne va pas pouvoir voir dans les détails. Pour pouvoir dans les détails, il faut arriver à faire des comptes rendus qui sont détaillés. À ce moment-là, on donne aussi, on amène une Ashgacha Pratit détaillée dans sa vie. C'est-à-dire si on a un rapport avec Hachem qui est précis et détaillé, alors on va le découvrir dans une façon précise et détaillée. Et si maintenant on a un rapport flou, alors ça va rester flou. C'est-à-dire ça va pas. Hachem, il va pas rentrer dans les détails de la vie de la personne. C'est-à-dire que bien qu'Hachem il est là-bas, mais lui il va pas le voir. Parce qu'Hachem, il va se révéler par rapport à ce que toi tu as investi. C'est-à-dire si maintenant toi tu viens devant Hachem et tu demandes des comptes sur tu viens donner des comptes à Hachem sur ce que tu vis dans les détails, Hachem, il va s'ouvrir à toi dans les détails. Et là, la tzedaka, elle va servir à la connexion. Mais si maintenant, quelqu'un il reste dans du flou, alors la tzedaka, elle est dans le flou aussi. C'est des généralités, mais on n'est pas passé dans les détails. Si j'ai menti au téléphone à quelqu'un, et que je m'en veux un petit peu, est-ce que la tzedaka, elle est réparatrice à ce moment-là ? Non, la tzedaka, elle ne répare pas les avérotes. Hachem, on ne peut pas l'acheter avec la tzedaka. Il faut faire tchouva, c'est tout. Tchouva, c'est une chose, daka, c'est autre chose. On n'a pas besoin de, comme on dit, tchouva, tfila, tzedaka. On fait si les moi, trois. Je dois avoir un budget, je mets tant parce que j'ai menti au téléphone, je mets tant parce que j'ai fait ça, et qu'un budget mensuel. Alvaï que quelqu'un déjà, il est ça. Alvaï que quelqu'un déjà, il fasse ça. La plupart des gens, ils croient qu'avec les petites pièces qu'ils donnent, ils sont. Quand David Amelech, il a. Vers la fin de sa vie, alors Hachem il était en colère sur le Ham Israël parce que tous les problèmes qu'ils avaient fait à David Ameler, qu'ils avaient été avec Avshalom et qu'ils ont fait des problèmes. Alors Hachem il a demandé à David Ameler et il a envoyé une épreuve de compter le Ham Israël. Il a dit il faudra compter le Ham Israël. Donc il a envoyé ses généraux de l'armée, il leur a dit vous allez les compter. Et eux, les généraux de l'armée, ils savaient que c'est pas bien de compter le Ham Israël. Donc ils voulaient pas, ils ont essayé d'éviter, etc. Mais ils ont vu que David, il a insisté pour qu'il le fasse. Donc ils ont compté le Ham Israël, ils ont ramené les chiffres, ils ont dit voilà, il y a 800 000 dans le Ham Israël, il y a 500 000 dans Yehuda.
compter. Et après, quand ils ont ramené les chiffres, alors tout de suite David Ameller, il a compris que les Maasai, c'est Hachem qui l'a piégé, c'est-à-dire pour qu'il fasse ça, parce qu'Hachem, il voulait amener un neige sur le Mitzray. Alors David Ameller, il a dit pardon, il s'est agenouillé devant Hachem et il a dit pardon de ce que j'ai fait. C'est vrai que c'est toi qui m'as envoyé ça et tout, mais c'est moi qui l'ai fait, si j'avais refusé de le faire. Alors il n'y aurait pas eu, etc. Il s'en est voulu beaucoup, il a commencé à faire tchouva, etc. Hachem lui a dit, il a envoyé Gad, le Navi, et il lui a dit, regarde, tu as trois possibilités. Ou toi, tu vas être persécuté pendant 3 mois, ou je vais envoyer sur Israël pendant 3 ans de la famine et des maladies, etc. Ou bien trois jours de pluie, de grêle et de choses très très fortes. Tu choisis. Voilà, je te donne, il a envoyé avec le Navi, il a dit, je te donne le choix, tu me réponds. Tu me réponds d'ici ce soir ou demain, tu me réponds. Alors David Amer, il a dit, regarde, on va prendre seul 2-3 jours et on va prier, on va faire tout ce qu'on peut pour adoucir la Xéra. Ok, alors Hachem, il a envoyé pendant 3 jours, c'est-à-dire déjà le premier jour, il y a eu déjà 17 000 morts ou 70 000 morts, quelque chose comme ça. C'est-à-dire ça a commencé, et puis les gens ils faisaient tchouva et David Ameller, etc. Après le malach qui voulait continuer, il voulait rentrer dans Yerushalayim. Et là, Hachem il a arrêté, il lui dit non, j'ai reçu la tchouva de David Ameller et du peuple et tout, tu t'arrêtes, tu rentres pas dans Jérusalem. Tu restes à l'extérieur. Ça s'est terminé comme ça. Pourquoi je vous dis ça? C'est-à-dire que c'est pas, il ne faut pas croire que le monde, c'est pas un cirque. C'est-à-dire, le monde, c'est pas un cirque. C'est-à-dire, quand la Torah elle dit, il ne faut pas faire honte aux pierres. C'est-à-dire que les pierres avec quoi tu vas faire le misbéar, il ne faut pas qu'elles aient honte. On a vu ça il y a 2 semaines dans la paracha. Il ne faut pas que ces pierres, tu leur fasses honte. Alors maintenant, Rachid là-bas, il te dit, si maintenant des pierres, il ne faut pas leur faire honte, à Kochken un ben Adam, à Kochken de faire honte, mais à Kochken de faire souffrir quelqu'un, de faire du mal à quelqu'un, c'est encore des niveaux. Maintenant, quelqu'un, il croit que c'est un cirque, le monde. Mais ce n'est pas un cirque. C'est-à-dire que chaque personne qui a fait du mal, qui a souffert, qui a fait honte, tout ça va être scanné. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va falloir rendre des comptes sur tout, dans tous les détails. Donc il faut s'habituer à vivre dans le détail. Il faut habituer, mais c'est pas, vous faites, avec la banque, vous faites la même chose. C'est quand vous déposez de l'argent sur votre compte en banque, vous voyez que la banque, elle ne vous fait pas dans le flou, c'est pas dans le flou. Chaque truc que vous faites, elle vous prend, opération un tel, truc ça, virement, ça. Et voilà les comptes, c'est tout, à la fin du mois, voilà ce que vous avez, c'est tout. Ah, vous avez tobosé tant, mais voilà ce qui est parti. Là, vous tenez vos comptes, vous regardez, et si vous ne les tenez pas, elle va les tenir pour vous, la banque. Donc c'est comme ça qu'il faut vivre. Il ne faut pas vivre dans le flou. Il faut vivre clair. Il faut avoir une conscience claire des choses. Et il y a un relevé tous les mois. Hein? Il y a un relevé tous les mois. Un rejet? Un relevé. Oui, mais nous, c'est tous les jours. On ne peut pas faire tous les mois. Tous les mois, on ne se rappelle pas. Alvaï, qu'on se rappelle ce qu'on a mangé le matin, quand c'est le soir, ce qu'on a mangé la veille, qu'est-ce qu'on va se rappeler dans un mois, c'est même pas, si on n'a pas changé de nom en un mois. Je vous redonne à chacun une vie qui va tellement vite aujourd'hui que si quelqu'un ne prend pas le temps de faire l'aïd gozédou, de faire un mishpat. Une fois quelqu'un est venu voir Rabbi Nathan, lui a dit j'ai rêvé ça, voilà, ça, j'ai rêvé ça et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Alors Rabbi Nathan lui a dit, raconte-moi déjà ce qui se passe avec toi quand tu es réveillé, après on verra pour les rêves. Rabbi Nathan lui a répondu ça. Le gars il vient. Il est impressionné par son rêve. Il a eu un rêve, il a rêvé ça, ça et ça. Ok. Alors il vient, il cherche le rêve, il va avoir des réponses. C'est quoi ce rêve, etc. Mais sur sa vie de tous les jours, ce qu'il vit, il cherche pas à comprendre qu'est-ce qu'il est en train de vivre, pourquoi c'est comme ça, ça serait pas comme ça. Ça l'intéresse pas. Mais c'est que des rêves. C'est pas un cirque, le monde. C'est pas un cinéma. Si quelqu'un veut rentrer dans la recherche d'Hachem, il faut considérer les choses comme étant des choses qui sont sérieuses. Il faut qu'il s'engage sérieusement. Et s'engager sérieusement, ça veut dire qu'il y a un scannage du temps. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps au sérieux. Il faut savoir que le temps, il a une valeur. Et donc, quand on va faire une bonne doute,
Il faut regarder ce qu'on a vu, ce qu'on a passé dans la journée. Il faut regarder de près. Qu'est-ce qu'on a passé ? Si on veut trouver Hachem, si on veut trouver de l'aide, il faut rentrer dans les détails, sinon on ne va pas trouver. Sinon, de la même manière que nous, on fait, comme on dit, comme nous, on a fait l'impasse, comme on dit, et bien lui aussi fait l'impasse. La même chose. Tu ne peux pas, toi, faire l'impasse et que tu veux qu'Hachem, lui, va se révéler à toi. Hachem ne peut pas se révéler à toi, c'est soit tu fais l'impasse. Ce n'est pas possible. Si maintenant tu fais l'impasse, tu dis Hachem, voilà. Tu ne fais pas l'impasse. Tu viens, tu dis Hachem, voilà. J'ai fait ça et tout. Je sais que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors ça c'est enregistré comme quelqu'un de conscient. Qu'est-ce que veut dire quelqu'un de conscient ? C'est quelqu'un qui a mis son cœur pour essayer de trouver des solutions. Alors maintenant, quand il a mis son cœur pour essayer de trouver des solutions, on va lui montrer la borne de connexion qui va être la solution à son problème. On va la lui montrer. On va dire, voilà, il est là, elle est là la chose. Elle est là, à côté de toi. Agar, elle vient, elle pleure devant Hachem. Pourquoi tu pleures ? Malach, il dit quoi ? Il dit, je pleure parce que le bébé, là, il n'a pas de quoi boire. Et il va mourir. Alors l'ange lui dit, donne-lui à boire. Alors Hachem, il a ouvert ses yeux, elle a vu qu'il y avait un puits à côté d'elle. Maintenant, il faut savoir, si quelqu'un il rentre dans les détails dans l'Avodat Hachem, même si quelque chose n'existe pas, on va le créer pour lui, même si ça n'existe pas. Parce qu'Hachem, il a créé tout le monde pour l'homme. Hachem, il n'a pas créé le monde pour autre chose. Hachem, il a créé le monde que pour communiquer avec l'homme, c'est tout. C'est pour ça qu'Hachem, il a créé le monde. Et si maintenant, à un moment, il y a une situation où l'homme, il a besoin qu'Hachem, il lui crée quelque chose, alors Hachem, il va lui créer quelque chose pour lui, sur mesure, qui n'existait pas. On a vu dans la paracha, dans le Mishkan, il y a un animal qui s'appelle le tahash, avec quoi on utilise les peaux pour le Mishkan, d'accord ? Qu'est-ce que c'est ce tahash-là ? Qu'est-ce que c'est cet animal ? Rachid, il te dit, c'est un animal qui n'a été créé et qui n'a existé que pour faire le Mishkan, c'est tout. Il n'a jamais existé avant et il n'existera plus après. C'était un animal qui a été créé pour le besoin du moment, c'est tout. Comme le Zamir. Comme le Zamir. Le Shamir, tu dis. Le Shamir, pardon. Bon, mais c'était tout l'époque du Betamir. Mais je ne sais pas si maintenant il n'existe pas. Il peut exister quand on n'en a pas besoin, on ne le voit pas. Mais ça, Rachid te dit qu'il n'a pas existé. De là, qu'est-ce que tu vas apprendre ? Qu'est-ce que c'est le Mishkan ? Ça veut dire que maintenant, pourquoi Hachem ne pouvait pas dire on va faire les peaux du Mishkan avec de la vache ou avec du taureau ou avec n'importe quel animal qui est cachère ? Pourquoi il a besoin d'amener, c'est de créer un animal spécialement pour la construction du Mishkan ? C'est pour que tu saches que si tu veux construire le Mishkan pour Hachem, c'est-à-dire si tu veux faire de ton cœur une résidence d'Hachem, c'est ça que tu cherches. Et que Béhémet, tu cherches à faire pour Hachem. Tu veux que Hachem y réside dans ton cœur. Hachem, il peut te créer des choses qui n'existaient pas avant. Parce que ce n'est pas un problème pour Hachem. Parce que tout le monde, il te l'a créé pour toi. Donc si maintenant tu as besoin d'autre chose qui n'était pas nomenclaturée dans la création, on va te le créer. On va te le créer. Ne te fais pas de soucis. Toi, ne cherche pas les choses. Toi, cherche la connexion. Ne cherche pas les choses. Les choses vont venir vers toi toutes seules. Ne cherche pas. Voilà, ce matin, j'ai rencontré quelqu'un qui a plus de 50 ans. Il n'est pas marié. Et c'est quelqu'un un Français qui est là depuis des très longtemps. Ça fait peut-être 25 ans qu'il est en Israël. Et il s'est jamais marié et tout. Et comme ça, il est un petit peu comme ça. Il traîne un petit peu. Alors, il lui dit, va chercher un travail. Il m'a dit, mais ils ne veulent pas me prendre quand je vais. Les gens, ils cherchent. Je lui dis, regarde. Toi, ne regarde pas les gens. Ne regarde pas celui que celui-là. Si maintenant, toi, tu vas chercher un travail, Hachem, il va obliger un employeur à t'employer. Toi, ne te fais pas de soucis. Toi, tu vas dans les magasins, tu tapes, tu dis, voilà, je cherche du travail, voilà ma carte d'identité, je suis quelqu'un de sérieux, je vous promets, je suis travailleur, je suis intéressé et tout. Prenez-moi un laissez, un mois, vous allez voir. Toi, fais que ça, c'est tout. Fais un magasin après l'autre. Et tu vas voir qu'à un moment, il va te dire, allez, viens, on va essayer, viens, tu vas comme. Et maintenant, que lui veuille ou qu'il ne veuille pas, toi, ne t'occupe pas de ça. Toi, tu as un rapport avec Hachem. Et Hachem, il va faire que même celui qui ne veut pas, il va vouloir. Alors que si tu vas contre, même celui qui voulait, il ne voudra pas. Tu vois ? Même celui qui avait besoin de toi,
Tu vas venir chez lui, il va dire, je m'excuse, non, on n'a pas. Et lui, il a besoin de toi, mais il ne va pas te prendre. Pourquoi ? Parce que tu es sorti de la communication. Tu comprends ? Si tu rentres, c'est ça le tikkun abrit. Le tikkun abrit, ça veut dire que le monde entier, il est pour toi. Comme Rabbeinu l'a dit à Rabbi Nathan, il lui dit, qu'est-ce que tu te fais du souci ? Pourquoi tu fais la tête ? Le monde entier, il est là que pour toi. Le monde entier travaille pour toi. Il y en a un qui voyage à Odessa, l'autre il va vendre du blé là-bas, et tout cela, c'est rien que pour toi qu'ils font ça. C'est que pour toi, tout c'est pour toi. Comment tu vas te rendre compte de ça ? Si tu commences à gérer ta vie dans les détails. Si tu gères ton rapport à Hachem dans les détails. Mais si tu gères ton rapport à Hachem dans le flou, alors ta vie elle est floue, tu te débrouilles, c'est tout. Et dans le grand flou, tu verras à des moments des petites visions, un peu, mais toujours floues. Pourquoi ? Parce que l'engagement est flou. La personne dit, bon, ben, moi je fais Shabbat, je mets les teffs, je mange kasher. Bah, au Hachem, j'ai fait mon devoir, j'ai rien à me reprocher en tant que juif. C'est vrai, tu n'as rien à te reprocher en tant que juif. Si tu n'as rien à te reprocher, c'est un niveau de... Mais disons que quelqu'un, il croit qu'il n'a rien à se reprocher, ok. Mais maintenant, à part la vie, c'est pas rien de rien avoir à se reprocher. La vie, c'est de vivre, c'est pas de rien. De rien avoir à se reprocher, ça ne suffit pas. C'est pas parce que quelqu'un n'a rien à se reprocher qu'il est vivant. Ça ne suffit pas pour être vivant, de rien avoir à se reprocher. Il y a un autre niveau que rien avoir à se reprocher. Hachem, il va te dire, ok, tu n'as rien à te reprocher, mais tu m'as cherché. Tu ne m'as pas cherché. C'est vrai maintenant, les frères de Yosef, ils vendent Yosef. Ils vendent Yosef, il était passible de mort d'après le jugement qu'ils ont fait. Et même la Shrina, elle était avec eux dans le jugement. Même Hachem, il était avec eux dans le jugement. Mais après, Hachem, il vient et il leur demande des comptes. Et il dit, attendez, mais vous avez un papa qui s'appelle Yaakov Avinu. Vous avez pensé à la peine qu'il allait avoir, votre père, pour votre frère Yosef. Vous n'avez pas pensé à ça. Ok, le jugement, il est vrai, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous avez pensé à la peine que votre père allait avoir pendant tant d'années ? Vous avez pensé à ça ? Ah, vous n'avez pas pensé à ça ? Alors ça, vous allez payer pour ça. Parce que quelqu'un, il ne peut pas faire un jugement comme ça, même que c'est des Talmid et Chachamim, mais tu ne peux pas juger. Tu ne peux pas juger de haut. Tu dois rentrer dans les détails. Il y a un rave une fois, une dame, elle est venue à Rav Shabbat pour lui montrer un poulet. Une dame pauvre, pour lui montrer le poulet s'il est kasher. Et lui, il n'avait pas le temps. Alors il a dit, ah, non, il n'est pas kasher. Allez, Shabbat Shalom, il l'a jeté. Maintenant, cette femme-là, elle n'avait pas de quoi manger. Elle est rentrée chez elle, elle n'avait pas de quoi manger, elle est morte. Ok ? Maintenant, ce rave, on est venu, on lui a dit, mais le poulet, il était kasher. Elle dit, maintenant, toi, tu n'as pas le temps. Dis-lui, j'ai pas le temps. C'est tout. Va voir quelqu'un d'autre. Ou si tu le fais, tu le fais. Mais tu ne fais pas du flou. Parce que le flou, ça peut coûter très cher. Regarde, là, cette femme-là, elle est morte. Le poulet, il était caché. Tu n'as pas voulu prendre le temps de le regarder de près. C'est ton problème. Et ça, ça a des conséquences. Cette femme, elle est morte à cause de toi. Donc maintenant, tu ne peux pas faire du flou. Ou maintenant, tu fais ou tu ne fais pas. Tu ne veux pas faire, ne fais pas. Mais tu ne peux pas faire du flou. Si tu t'en occupes, alors tu t'en occupes. Tu t'en occupes pas. Tu dis à quelqu'un, je m'en occupe, il faut que tu t'en occupes. Tu ne veux pas t'en occuper, tu dis, je m'en occupe pas, c'est tout. Mais tu ne peux pas faire du flou. La vie, ce n'est pas du flou. La Avodat Hashem, ce n'est pas du flou. C'est pour ça que les gens, ils n'arrivent pas. Ils s'étonnent, ils disent, j'arrive pas. Voilà, les trucs, je suis en Israël, je ne trouve pas de parnassa, ça, je n'ai pas trouvé de maison, je n'ai pas trouvé... Mais parce que tu es dans le flou. Tu es dans le flou. C'est pour ça que c'est comme ça. Rentre dans des rapports plus précis avec Hachem. Rentre dans des notions plus précises. Elles sont trop larges, tes notions. C'est trop large. Le rapport, il est trop large. Rentre dans les détails. C'est dans les détails que tu vas trouver la connexion. C'est pas dans le flou. Dans le flou, il n'y a pas de connexion. Tu ne peux pas te connecter dans le flou. Si tu veux te connecter, il faut rentrer dans les détails du vécu. C'est là où il y a... Alors, Rabbeinu, il te dit que dans les beaux des doutes, il y a plusieurs parties. Il y a une partie où tu vas remercier Hachem, il y a une partie où tu vas demander à Hachem ce que tu as besoin, et il y a une partie où tu vas te juger. Et cette partie-là, elle est très importante, puisque c'est la partie qui va t'ouvrir la connexion dans les détails.
C'est comme si quelqu'un te dit, voilà, je te vends une ligne de téléphone, mais quand tu veux téléphoner, la borne pour la connexion, elle se trouve à 20 km de chez toi, tu prends le train, tu vas là-bas, et tu te mets à côté de la borne et tu peux téléphoner. Tu me dis, monsieur, gardez-le, votre téléphone. Et pourquoi? Il marche. Vous allez là-bas, je vous promets qu'il marche. Je dis, mais monsieur, si je dois faire 20 km pour téléphoner, vous ne comprenez pas, je descends, j'ai une cabine en bas de chez moi, je mets une pièce dedans, je téléphone, c'est tout. Il dit, ouais, mais là, vous avez un portable, c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas de fil, il n'y a pas de fil, mais il faut que je fasse 20 km pour téléphoner. C'est vrai qu'il n'y a pas de fil, mais il faut que je prenne le bus, il faut que je change de bus et un train pour aller téléphoner. Il y a un problème. C'est la même chose, c'est exactement la même chose, c'est rigolo, mais c'est la même chose, c'est pas rigolo pour nous. Notre vie, c'est pas, elle est comme ça. C'est-à-dire que la personne, elle vient, elle demande à Hachem des choses, elle veut des choses, hein, il veut ça, l'autre il veut une femme, l'autre il veut une parnassa, l'autre il veut une maison, l'autre il veut le bonheur, l'autre il veut les sourires, l'autre... Mais tu es rentré dans les détails, tu peux rentrer dans les détails. Hachem, il dit, la Gemara, elle demande, elle dit... Hachem, il a dit, c'est ce monsieur-là, je vous ai dit, qui n'est pas marié, qui est, mais mettre ce que je veux dire, justement, que ce soit pour l'aider, il s'appelle Yosef Eliyahu ben Rachma. Et Hachem, il lui donne, il met Kola Yishuot. Alors, la Gemara, elle dit comme ça. Elle dit maintenant, Hachem, il a dit, je vais te donner une femme pour t'aider. La Gemara, elle demande, elle dit, en quoi une femme, elle va m'aider? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Ktouba? Il y a écrit qu'une femme, elle va m'aider dans l'octobre, elle n'a pas écrit ça. Il y a écrit que moi, je vais lui amener la parnassa, moi, je vais payer le loyer, moi, je vais payer ses vêtements, moi, je vais... Avec toutes les obligations, elles sont que de mon côté, à moi. En quoi, maintenant, elle va m'aider? En quoi elle va t'aider? Agmara, elle dit comme ça. Elle dit, qu'est-ce qui a amené déjà du blé chez lui à la maison et que c'est devenu du pain? Il y a quelqu'un qui a amené du blé à la maison que c'est devenu du pain? Il y a quelqu'un qui a amené chez lui du tissu et que c'est devenu un vêtement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Elle va faire que le blé que tu as amené, c'est vrai que c'est toi qui as travaillé, c'est vrai que toi qui as acheté le blé, mais ce blé, comment il va devenir du pain? Si ça reste du blé, tu peux avoir autant de blé que tu veux, tu vas mourir de faim. Il te faut du pain. C'est pas du blé que tu as besoin. En quoi elle va t'aider? C'est qu'elle va transformer le blé en pain. C'est-à-dire, en quoi la femme, elle va t'aider? C'est qu'elle va t'aider à rentrer dans les détails. Pourquoi les hommes, ils s'énervent la plupart du temps avec les femmes? Parce que les femmes, elles rentrent dans des détails, dans des choses qu'ils ne supportent pas. Et ils veulent rester dans du flou, dans des grandes lignes. Mais la femme, elle vient et dit, la vis là-bas, en dessous, la porte, le truc qui grince quand on tire et quand on... Et lui, maintenant, sa tête, elle est dans des affaires, dans une anime et tout. Il dit, oui, mais l'évier, le truc, le robinet, il coule un petit peu, il faut changer le truc. C'est des détails. Détails. Le féminin, il est dans les détails. C'est ça le principe du féminin. Le principe lunaire, c'est les détails. Et le principe solaire, c'est l'arbre. L'homme, il est dans le large. Et le large, on peut rester dans le flou toute sa vie avec des idées très larges. Il faut rentrer dans les détails de la vie. C'est là-bas où on va trouver Hachem. Il faut vivre en détail. Il ne faut pas vivre en gros, en détail. Il faut rentrer dans le détail des choses de notre vie. C'est ce qu'il dit Rabbi Nathan ici. Comment tu peux trouver Hachem dans le moment où tu te trouves, si pour toi tous les moments ils n'ont pas une valeur qui précise? Si pour toi tous les moments ils se ressemblent, comment tu veux trouver Hachem? Hachem, il te dit, moi je viens vers toi à chaque moment de façon différente. Chaque seconde je suis vers toi avec un nouveau vêtement, chaque seconde. Mais ouvre les yeux, cherche-moi, sinon tu ne vas pas me voir. C'est pour ça que c'est-à-dire il y a un moment pour chaque chose. Comme il dit Michelet, il y a un moment pour ça, il y a un moment pour ça, il y a un moment pour rire, il y a un moment pour pleurer, il y a un moment pour ça. Il parle des moments et des moments et des moments et des moments. Parce que chaque moment, c'est une connexion différente. Et si tu ne cherches pas le détail, tu ne vas pas pouvoir te connecter. Parce que tu ne vas même pas te rendre compte que les moments ils sont passés. Tu ne vas pas te rendre compte. Tu vois, des fois, tu passes dans des endroits, tu vois des gens assis comme ça. Ils sont assis, ils ne font rien. Ils sont assis dehors, ils ne font rien du tout. Des heures qui passent comme ça, les gens ils sont assis. Ils regardent des fois un peu un journal, ils regardent des voitures passer. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de conscience de la valeur du temps, du détail et de la précision, de la richesse du temps aussi. Le temps, il a une richesse.
Le temps, il a une richesse extraordinaire. C'est pas flou, le temps. Le temps, il a une richesse. Il y a des Yehudim d'Hachem. Chaque seconde, il y a des formules d'assemblement des schémas d'Hachem qui sont à chaque seconde, elles sont différentes. Il y a toujours quelque chose de différent dans la vie. Il y a tout le temps quelque chose de nouveau. Quand Rabbeinu dit que c'est Assur Liot Zaken, on n'a pas le droit d'être vieux. Rabbeinu lui dit Assur Liot Zaken. Mais tu peux lui dire, mais je vieillis, comment je vais faire? Il dit non, il ne faut pas vieillir. Qu'est-ce que tu ne veux pas vieillir? Parce que les gens, quand ils deviennent vieux, ils rentrent dans le flou, complètement. Quand le flou, tout est flou comme ça. C'est flou. Alors les gens sont retraités, donc il n'y a plus tellement un rapport avec le travail qui est un rapport de force comme ça et détaillé tous les jours. C'est flou, il reçoit sa retraite, il reste truc. Tout commence à être flou dans sa tête. Rabbeinu ne veut pas ça. Rabbeinu veut qu'on vive dans le détail de chaque chose. Il y a une heure, cette heure-là, elle est précise, quelqu'un il se lève, voilà le net, c'est à telle heure. La fin de Kriyat Shema, c'est telle heure. Fin de Fila, c'est telle heure. La Shkia, c'est telle heure. Chaque chose elle a son moment précis. Et c'est le moment de connexion, c'est le moment de rendez-vous avec Hachem. Tu ne peux pas changer ça. C'est Hachem qui l'a donné. Mais par contre, si tu veux avec un rendez-vous avec Hachem, dans un moment qui n'était pas prévu, Hachem, il sera là. Hachem, il te dit. Hachem, il est là chaque fois que tu vas l'appeler Behemet. Chaque fois que toi, tu fixeras un rendez-vous, Hachem sera là. Jamais Hachem il manquera un rendez-vous si tu l'appelles Behemet. Jamais il manquera. Mais si tu ne le cherches pas, si tu ne cherches pas à le rencontrer, si tu ne cherches pas le rendez-vous, alors c'est sûr que tu vas pas le trouver. Du moins, dans les détails, tu ne le trouveras pas. Dans les grands axes, tu peux avoir une notion d'Hachem, une notion qui est comme ça, large, très très large, d'Akadosh Baruch Hu. Mais le but, ce n'est pas la notion large. Parce que la notion large, elle ne va pas t'ouvrir le cœur. Elle ne va pas te permettre de te connecter, de changer. Le large, ça ne va pas du tout te changer. Le large, c'est quelque chose qui est fait pour te permettre de vivre comme tu as envie, de rester avec tes défauts et tes manques, etc. Et tu peux vivre toute une vie avec ça, il n'y a pas de problème. Parce que tu es resté dans du flou. Rentre dans les détails, commence à chercher, tu vas voir comment ça va sortir. Plus tu vas rentrer dans le détail, plus tu vas voir des détails que tu n'avais jamais vus avant. Il y a même des comportements qu'on a, on ne sait même pas qu'on les a. Parce que c'est des comportements qui sont derrière d'autres. Rabbeinu dit comme le principe d'un train peut en cacher un autre qu'il y avait quand on traversait dans les passages à niveau, il y avait écrit « Faites attention ». Et il y avait une image comme ça d'un train, il peut en cacher un autre. C'est-à-dire, quand tu vois un train qui vient de passer, fais attention parce qu'il y a un autre qui peut sortir. Donc, attends que celui qui est passé le premier, il passe pour voir derrière s'il n'y en a pas un autre. Maintenant, dans la vie, Rabbeinu dit, des fois, quelqu'un, il a un problème. Mais ce problème, il est tellement important qu'il lui prend toute son énergie, toute son attention. Maintenant, il commence à s'occuper de ce problème. À travailler dessus, à chercher des solutions, etc. Il avance. Maintenant, il commence à résoudre un peu ce problème. Puis Tom, soudain, il voit qu'il a d'autres problèmes qu'il n'a jamais eu avant. Il dit, mais comment c'est possible? Jamais j'ai eu ces problèmes avant. Ce n'est pas vrai qu'il ne les avait pas. Mais le premier, il lui promenait tellement son énergie qu'il ne s'est jamais rendu compte qu'il avait d'autres. Il ne laissait pas l'énergie pour les autres. Donc, il ne s'est pas rendu compte qu'il avait d'autres problèmes. Il croyait qu'il n'avait que ce problème, c'est tout. Ça lui prenait tout. Et une fois qu'il a commencé à résoudre ce problème, il y a d'autres problèmes qui sont venus. Ah, putain, il voit qu'il commence à être nerveux, qu'il commence à être jaloux, qu'il commence à être envieux, qu'il commence à être radin. Mais tout ça, il n'avait pas ça avant. Avant, il n'avait qu'un seul problème qui était un problème intel. Mais ces problèmes-là, il ne les a jamais eus. Et maintenant, il voit que putain, ces problèmes, ils viennent. Alors, il croit qu'il est tombé. Alors, Rabbeinu nous dit, non, tu n'es pas tombé. Tu n'es pas tombé, au contraire. Tu as baissé des voiles qu'il y avait. Alors maintenant, tu as vu qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais si tu t'es pas occupé, tu t'es pas occupé de ça, tu serais jamais rendu compte de ce qu'il y a derrière. Plus quelqu'un rentre dans les détails, et plus il va voir qu'il y a des détails. Et il va commencer à faire attention aux détails, des détails, des détails. Et quand il va faire ça, alors il va se connecter avec Hachem d'une façon extraordinaire. Extraordinaire. C'est pas du flou, la Torah. La Torah, elle est pas floue.
Vous voyez les Chachamim, combien ils se fatiguent, etc., pour mettre en place des mesures, des choses, des mesures de temps, des mesures de volume. La Torah, tu dis, voilà, 29 grammes de pain, et tu vas faire Birkat Amazon. Alors quelqu'un dit, ouais, mais si j'ai mangé que 20 grammes, je peux quand même faire. Non, c'est pas, non, tu peux pas faire. Tu peux pas faire. Il faut que tu manges 29 grammes de pain pour faire Birkat Amazon. C'est tout, c'est comme ça. Il n'y a pas, c'est pas flou. Rentre dans les détails. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, il faut étudier la halakha, parce que la halakha, elle te permet de voir comment c'est important. Chaque chose est importante. Tu fais un contrat avec quelqu'un d'un prêt, voilà, elle te dit comme ça, il faut le faire. Si tu ne fais pas comme ça, ce n'est pas bon. Il faut que tu mettes tous ces détails-là dans ton contrat, dans le papier que vous allez faire. C'est important. La Torah, elle te donne chaque chose en détail. Maintenant, il faut s'habituer à vivre dans les détails. Il ne faut pas rester dans le flou. Et ça vient avec la Hetbo des Doutes et la partie de la Hetbo des Doutes qui est le Mishpat. C'est pour ça que Rabbi Nathan dit ici que la sot Mishpat Avdo, Mishpat Amo Israël, d'avoir Yom Beyomo, chaque jour avec son jour, d'avoir Yom Beyomo Daika, chaque jour avec son jour. Aïnou Kanal, le Kaven à Mishpat, le Kacher Atzmo, la Nekuda Shechat, le Libo Beoto Ayom. C'est-à-dire d'avoir le jugement qui va permettre d'orienter mon cœur vers la présence d'Hachem de ce jour-là. Les gens disent, je vais faire Hetbo des Doutes, mais je n'ai rien à dire, et je m'assois comme ça, je n'ai pas de parole, je n'ai rien à dire. Mais chaque jour, il a ses détails. Chaque jour, il a des choses différentes. Comment tu n'as rien à dire ? L'écouter de Philo. Hein ? L'écouter de Philo, ça n'a rien à dire. C'est-à-dire l'écouter de Philo ? L'écouter de Philo, il y a tout. J'ai acheté l'écouter de Philo la semaine dernière. Je me suis aperçu qu'on pouvait faire Hetbo des Doutes avec Oui, mais l'écouter de Philote, jamais il va parler de ta vie à toi, aujourd'hui. Là, l'écouter de Philote, il ne parle pas de la Tachana Merkazit, il ne parle pas du tramway, il ne parle pas de Natania, il ne parle pas d'un paquet de cigarettes, il ne parle pas d'un café, d'un expresso, il ne parle pas de beaucoup de choses, il ne parle pas. Ça, c'est ta vie, c'est toi qui dois construire. Lui, il te donne les grands axes. Mais c'est pour ça que quelqu'un, il a demandé une fois, est-ce qu'il peut s'acquitter de la Hetbo des Doutes avec le Kitot de Philote ? Il dit absolument pas, absolument pas. Maintenant, le côté de Philote, il peut t'inspirer, il peut te donner envie de faire Hetbo des Doutes. Mais Hetbo des Doutes, c'est ta vie à toi. Tu ne peux pas faire Hetbo des Doutes sur la vie de Rabbi Nathan. Tu ne sais pas ce qu'il a vécu, Rabbi Nathan. Ce n'est pas ta vie. C'est ta vie qui intéresse Hachem. Parce que ton contact avec Hachem, il passe par les méandres de ta vie. Pas les méandres de la vie de quelqu'un d'autre. C'est la tienne, comme elle est vécue tous les jours. Aujourd'hui, tu as pris le bus deux fois, l'autre, il n'a pas pris le bus. Maintenant, c'est ta vie à toi. Sa vie, l'autre, c'est autre chose. Chacun, il a sa vie. Mais toi, tu dois venir avec Hachem dans le détail, parce que tous les détails de ta vie, c'est ça ton Mishkan. C'est ça le Mishkan de ta vie. Quand Hachem, il dit, voilà, tu vas faire comme ça, et les crochets comme ça, et les bâtons comme ça, et l'or comme ça, et les tentures, et la longueur, et les centimètres par là, et les demi-mètres par là, et ça, et les trucs, et l'armoire, des dizaines, des centaines de détails, il y a dans le Mishkan. Pourquoi Hachem, il fait tout ça ? Pourquoi Hachem, il fait tout ça ? Hachem, il ne peut pas venir, pourquoi ? Hachem, il n'a pas parlé avec Abraham, avec Yitzhak, avec Yaakov. Pourquoi Hachem, il a besoin d'un Mishkan ? Yaakov, il a fait un Mishkan. Abraham, il a fait un Mishkan. Non, ils n'ont rien fait du tout. Et pas besoin, parce qu'ils étaient à un niveau de la connexion dans le détail. Ils n'avaient pas besoin du Mishkan. Mais après, quand le Ham Israël il a fait le veau d'or, alors Hachem il a compris que la Torah, elle était trop large, que c'était une notion trop large pour les récipients qu'ils avaient. C'est-à-dire, cette Torah, c'est des choses trop larges. Il faut rentrer dans des choses plus concrètes et plus pratiques. Donc Hachem, il a dit, tu vas construire le Mishkan. Et tu vas le construire comme ça. Il va y avoir 30 bagues comme ça. Tu vas accrocher là-bas et tu vas faire des poteaux de 5 mètres. Chaque truc parfait dans la symétrie, dans tout. Des détails. Pourquoi ? Parce que Hachem, il veut rentrer avec toi dans les détails. C'est comme ça que tu vas le trouver. Comment tu veux que tu aies un rapport intime et personnel avec Hachem, si ça ne passe pas par les détails de ta vie. Si tu prends dans le flou, ça veut dire que c'est le même pour tout le monde, le rapport avec Hachem. C'est le même pour tout le monde. Si tu dis que maintenant, la vie d'un juif, c'est de mettre les tefillines, d'aller à la synagogue, de faire Shabbat et de manger kasher. Alors avec ça y est, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des juifs, c'est tous les mêmes. Le rapport avec Hachem, il est tous le même. Mais avec ça, on va rester dans un niveau qui est très très bas. On ne peut pas s'en sortir avec ça. Nous, on veut rentrer dans les détails de notre vie avec Hachem.
On veut être avec Hachem tout le temps. Maintenant, chacun, il est unique dans sa vie. Et ce qui se passe avec lui, c'est unique. Et chaque jour de sa vie, c'est unique. Il y a des jours où il est Bessimra, des jours où il est moins Bessimra, des jours où quelqu'un il a énervé, des jours où il a énervé quelqu'un, des jours où il a ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une journée. Si tu ne rentres pas dans le détail de ta vie, tu ne peux pas comprendre les Hachem, comment ils se trouvent dans ta vie, puisque tu ne rentres pas dans le détail. Et des gens, ils disent, ouais, j'ai fait une affaire, je me suis trompé, j'ai perdu de l'argent. Mais si tu étais dans les détails avec Hachem, jamais tu vas perdre de l'argent dans ta vie. Jamais. Parce qu'Hachem, il va t'avertir 100 fois avant que tu fasses une bêtise. Tu crois qu'Hachem, il veut que tu fasses une bêtise? Hachem, il t'avertit 100 fois. Seulement, l'endroit où il te parle, c'est-à-dire la langue qui te parle, tu ne la comprends pas. Parce que tu ne rentres pas dans le détail. Donc, tu n'entends pas le message. Si maintenant tu rentrais dans le détail, tu considérais le détail, t'aurais vu que Hachem t'a averti et il t'a parlé dans tel détail, il t'a averti plusieurs fois. Mais seulement tu n'entends pas. Tu n'entends pas pourquoi? Parce que tu ne veux pas. Comme celui que l'esclave, il ne veut pas, il veut pas. Au bout de 7 ans, il ne veut pas sortir. Alors on lui poinçonne l'oreille sur la porte, on dit bon. Ok, tu veux pas entendre les appels d'Hachem. Tu veux rester esclave. Tu veux rester vendu à un système. Tu ne veux pas sortir un peu? Tu ne veux pas trouver Hachem? Non, non, il dit, moi, je préfère me vendre à quelqu'un. Il me donne à manger. Je n'ai pas de soucis, j'ai mon lit, mes trucs. Tous les matins, il y a du manger. Je n'ai jamais à penser, est-ce que j'aurai à manger? Est-ce que j'aurai assez pour payer l'électricité? Est-ce que j'aurai assez pour payer le téléphone, pour payer le gaz? Et trucs, et le frigidaire, il s'est abîmé, la machine à laver, elle ne marche pas. Et les voisins, ils ont fait ça. Mais tout ça, je l'enlève de ma vie. Pourquoi je vais rentrer dans tout ça? Moi, je me vends comme esclave. Et lui, il me donne tout, tous les jours. J'ai dû manger, et je travaille. Il me dit, va faire ça. Ce qu'il veut, je lui fais. Le cas, c'est que moi, je ne rentre pas dans les détails, c'est tout. Je ne rentre pas dans les détails. Quelqu'un qui se vend, il est devenu patour. C'est-à-dire, il est libre, c'est fini. Il est libre de quoi? Il est libre, il s'est libéré de la vie. C'est-à-dire qu'il s'est libéré d'être un être vivant, c'est fini. Alors on lui dit, si c'est comme ça, alors tu peux faire, on te donne un essai de 7 ans. Au bout de 7 ans, tu sors. Et au bout de 7 ans, il dit, non, moi je ne veux pas sortir, je suis très bien. Pourquoi je vais sortir? Il dit, tu ne veux pas, alors on va te poinçonner l'oreille. Pourquoi? Pour te dire, tu ne veux pas entendre. Tu ne veux pas rentrer dans les détails. Tu cherches, toi, à passer la vie le plus facilement possible. Et tu as trouvé que le fait de te vendre, c'était la chose la plus facile pour après ne pas assumer, ne pas rentrer dans les détails de la vie, la responsabilité dans chaque détail. Puisque tu as quelqu'un qui prend la responsabilité de tout. Il dit, ah, tu vois avec le patron, hein, moi, je ne sais pas, moi, tu vois avec lui, hein, c'est lui. Moi, je n'ai pas... Il dit, ouais, mais vous savez, là, le camion, il est mal garé et tout. Il dit, monsieur, c'est pas moi. Moi, il faut voir avec le patron. Moi, c'est pas moi. Et ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. C'est pas... Le gars, il sort de tout. Et après, où il est? Quelle vie, c'est? C'est pas une vie, Berlin. Il faut prendre des responsabilités. Il faut sortir. Il faut aller de l'avant. Tu sais, Hachem, il est là. Il est avec toi. Hachem, il est avec toi. Dans tout ce que tu vas faire, il va être avec toi. Mais toi, c'est toi qui n'es pas avec lui. Lui, il est avec toi. Mais lui, il ne peut pas rentrer, il peut pas te faire de la violation de domicile. Si toi, tu ne veux pas qu'il rentre, il ne rentre pas. Si toi, tu ne lui fais pas une maison, il ne rentre pas. Si toi, tu ne rentres pas dans le détail, tu ne le trouveras pas. Mais si tu rentres, tu vas le trouver tout de suite. Et quand tu vas le trouver dans les détails, tu vas commencer à vivre Béhémeth. Tu vas sentir dans ton cœur une divinité extraordinaire, une joie, un niveau de vision de la vie extraordinaire. Mais justement dans les détails. C'est pour ça qu'il a donné tous les détails du Mishkan. Kisham be pasuk azem edaber mitfila vesicha shebedabrim benu leben kono. Parce que dans ce pasuk-là, de Davarion Beyomo, dans ce verset-là de la Torah, il parle de la prière et de la discussion qu'on parle entre soi et son Créateur. Moshkatouf sham betfila ta pasuk veyud vahayele asher itchananti lifnei Hashem krovim el Hashem elokenu yomam valayla. Que les paroles que je suppliais maintenant devant Hachem, qu'elle soit proche d'Hachem, notre Dieu, nuit et jour, jour et nuit, la sot mishpat avdo, pour faire le jugement de son serviteur, etc. Davarion beyomo, ça finit davarion beyomo, chaque jour avec son jour. Haynu kanal, shekol hadiburim, vatrinot shemitralenim ifne Hachem zbar, que toutes les paroles, toutes les supplications qu'on fait devant Hachem, yu beprinat mishpat davarion beyomo, qu'elle soit dans le principe
du jugement de chaque jour. C'est-à-dire que je rentre dans les détails de la journée et que je cherche une connexion par rapport à la forme des événements de la journée. Mais c'est ce qu'atouv sham le atot le bavenu elav la lechet bechod racham, de tendre notre cœur vers lui et d'aller dans tous ses chemins. Vous voyez, la Torah, elle vous explique chaque chose. Elle dit, elle, voilà, la atot le bavenu elav, de faire tendre notre cœur vers lui. Comment on va faire tendre notre cœur vers lui? Comment on va arriver à ce que notre cœur se connecte avec lui? La lechet bechod racham, aller dans tous ses chemins. Comme on dit, qu'on a dit, et maintenant, tu vas parler, tu vas parler avec Hachem, tu vas parler d'Hachem, tu vas parler de la Torah tout le temps. Alors les gens croient que quand, ça veut dire que tu dois toujours parler de la Torah, quand tu dors, quand tu te réveilles, quand tu manges, tu dois parler de la Torah. Mais ce n'est pas parler de la Torah, c'est-à-dire que tu dois parler avec Hachem tout le temps. Tu dois savoir qu'Hachem, il est avec toi tout le temps. C'est à ça qu'on veut arriver. C'est ça les atot levavenu elav, de pencher notre cœur vers lui. Comment tu veux pencher ton cœur vers lui? De savoir maintenant qu'il est là, la lechet bechol drachav. C'est-à-dire que dans tout, là où tu vas, ce sont ses chemins à lui. C'est, ta vie, c'est le chemin d'Hachem. Qui a l'aider prinat mishpat, prinat anekuda amal. Parce que grâce au jugement, grâce au point en question, elle disait, zokhim le'atot halev l'Hachem bama. Grâce à ça, on peut pencher le cœur vers Hachem. Et kesher apasuk kumo shtana ve'adar mefarej mashevatchila mevakesh la'atot levavenu elav. Et le lien qu'il y a dans le pasuk, comme il a enseigné au début du pasuk, c'est-à-dire que maintenant, ce qu'on veut, c'est que notre cœur il soit avec Hachem, il tende vers lui. Ve'adar mefarej aliyedeman iskelaze. Et après, il explique comment on va arriver à ça, à faire tendre notre cœur vers Hachem. Par le fait que maintenant, les paroles que j'ai, avec lesquelles j'ai prié, elles soient proches de toi. Ça veut dire que maintenant, ma prière, elle soit proche de toi. Maintenant, regardez le pasuk, comment il fait ressortir le sens de ce que le Rebbe, ce que Rabbi Nathan, ils sont en train de dire ici. Comment je dis, voilà Hachem, je veux que mon cœur, il tende vers toi. Et il dit, comment tu veux que ton cœur, il soit avec moi? Et il te dit, Hachem, c'est que ta prière, il dit, regarde, que ta prière, il soit proche, ma prière, elle soit proche de toi. C'est que c'est comme ça que mon cœur, il va être avec toi. Ça ne veut pas dire que ma prière elle soit proche de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que quand je fais ma prière, j'ai la kavana. Ce n'est pas ça ce que ça veut dire ici. Ça peut vouloir dire ça aussi, on peut expliquer. Mais ici, ça va beaucoup plus loin. Ça veut dire que maintenant, ma prière, elle est dans les détails de ma vie. C'est comme ça que mon cœur il va être avec toi. Tu me prends? Si quelqu'un maintenant, tu lui dis, même une femme à la maison ou des enfants, tu dis, bon voilà, de quoi tu as besoin, tiens, prends l'argent, vas-y, achète ce que tu veux. Ok, c'est bien, il a donné de l'argent et tout. Mais s'il va avec elle, avec ses enfants, et que maintenant il va, il dit quoi, tu as besoin d'un manteau, viens, on va aller acheter un manteau. Va, qu'est-ce qui te plaît, ça, comme ça, et peut-être celui-là, après, tu vas avoir trop chaud, un truc, et les manches, elles sont bien, et tu rentres dans le détail là-bas. Ça s'appelle l'amour. Ça s'appelle le cœur. Mais si tu viens, tu jettes l'argent, ça c'est rien du tout ça. C'est vrai que c'est mieux que rien. La personne ne va pas mourir. Mais la personne, elle la personne qu'il aime. Ça c'est sûr. Quelqu'un, tu lui jettes comme ça l'argent ou ce que tu lui jettes. Il lui dit, voilà, va là-bas, prends ce que tu veux et j'irai le payer, etc. Va à l'épicerie, mets sur le compte, va là-bas, dis le truc, voilà la carte, va payer les vêtements, ce que tu veux. Mais ce n'est pas de l'amour ça. Ça c'est pareil. Hachem il dit c'est bien, tu m'as fait la prière, tu as mis les tefilines, tu as fait schéma et tout. Mais voyons voir dans les détails où tu es. Est-ce que ta prière elle est avec moi? Tu ne m'as même pas cherché dans ta vie. Tu m'as prié, tu m'as fait de la prière comme ça, comme si c'était. Pourquoi il dit j'ai besoin que tu me fasses des cérémonies? Moi, je n'ai pas besoin de tes cérémonies, de religieuses. Moi je veux ton cœur. Moi je ne veux pas de cérémonies religieuses, je veux ton cœur. Et ton cœur, comment tu vas me le donner? C'est quand tu vas me prier dans les détails de ta vie. Quand tu vas prier sur les détails de ta vie, c'est ça qui va amener ton cœur à être avec moi. C'est ça la méthode pour que tu sois avec moi.
quand tu saches que chaque coup de fil que tu reçois, avant de répondre, d'abord tu sais que cette chose-là, c'est Hachem qui t'appelle. C'est pas celui-là ou celle-là ou ça qui t'appelle. C'est Hachem. Cette situation, c'est Hachem. Donc enregistre la conversation parce que c'est Hachem. Mets-la de côté. Rappelle-toi de ce qui s'est passé dans cette discussion parce que c'est Hachem. Et tu as été quelque part, tu as été trouvé Hachem. Tu as entendu quelqu'un, tu as entendu Hachem. Quelqu'un t'a posé une question, c'est Hachem qui t'a posé la question. Comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après, tu fais un bilan de la journée et tu rentres tout ça dans de la prière. Tout ce qui s'est passé avec toi, tu rentres dans la prière et Hachem, il te dit, voilà, quand tu vas faire ça, tu vas voir que ton cœur, il va être avec moi. Tu vas voir que tu vas commencer à m'aimer vraiment. C'est la méthode qu'il donne. C'est-à-dire qu'on ait le mérite de faire une hitbodedout telle, qui soit tellement comme ça, que nos paroles soient proches d'Hachem. Que Hachem nous donne cette force du jugement, c'est-à-dire le point, qui est avec nous, c'est-à-dire qui dépend de nous à ce moment-là. Qui soit chaque jour avec son jour. Avec sa chose, chaque jour elle a une chose spéciale. Ça va nous permettre d'aller dans le chemin d'Hachem, d'avoir notre cœur avec lui. Heureux ceux qui gardent le jugement, qui gardent le jugement, c'est-à-dire qui sait que chaque chose, il y a une présence d'Hachem, et qui s'attache à chaque instant au point qui est avec son cœur à ce moment-là. C'est-à-dire que le point qu'il est en train de vivre maintenant, que ce soit un téléphone, que ce soit un rendez-vous, que ce soit n'importe quoi, ce qu'il est en train de vivre maintenant, c'est ça Hachem maintenant. Maintenant Hachem, c'est ce coup de fil que j'ai reçu. Maintenant Hachem, c'est cette lettre que j'ai reçue. Maintenant Hachem, c'est ces courses que j'ai été faire. Tout ce que je fais, c'est ça Hachem du moment, et je vais m'attacher à lui à travers la chose que je suis en train de faire maintenant. Pas m'attacher à lui dans le flou, dans la synagogue, et après on sort, et la fête, c'est la fête. C'est pas comme ça. C'est pas j'ai terminé, j'ai pas terminé. Hachem, il est là tout le temps. Les courses aussi, c'est un bêta midrash. Le travail, c'est un bêta midrash. Un coup de téléphone, c'est un bêta midrash. Tout, c'est un bêta midrash, où on apprend la connexion avec Hachem, tout le temps. On peut pas laisser des zones noires. Et ça, on est zoché en faisant tzedaka à chaque instant. C'est-à-dire quand la tzedaka, elle est liée avec le temps. Elle est liée avec le moment. C'est une tzedaka qui vient du moment. Ce n'est pas quelque chose de large et de flou.